Les nuits dans la ville sont étrangement calmes. Le café entre enfer et paradis, si souvent bondé et pour une fois assez vide. La sensation d'oppression est omniprésente. En dessous de l'enseigne clignotante, Cromwell vous attend. Il a l'air assez nerveux et regarde les alentours sans cesse, comme s'il avait peur d'être observé. Vous allez vers lui, vous restez à distance, vous regardez autour de vous. Je regarde un peu ce qu'il y a d'autre dans l'endroit. Bah, c'est une grande rue, hein. Enfin, c'est vraiment en grand axe. Tu es juste en face du café, tu vois donc le démon qui est appuyé sous le néon, juste en face. Il vous voit de l'autre côté de la rue. Des voitures passent, mais étrangement, les rues sont assez vides. Hein. Enfin, on sent qu'il y a une tension palpable pour le moment. Je vais le voir en regardant autour de moi, en faisant attention qu'il a l'air inquiet. J'avance prudemment. Juste au moment où vous arrivez vers lui, il vous fait un mouvement de tête pour vous engouffrer dans la ruelle sur le côté du bar. Et d'ailleurs, en vous engouffrant dans la ruelle, vous voyez que Cromwell avance vraiment à pas très très léger. Et j'aimerais bien que Aaron me fasse un lancer avec 3D. 3D, ok. Et tu prends le résultat le plus haut. 3D et je prends le résultat le plus haut. Alors, c'est parti. 5. 5. Et là-dessus, il y a quelque chose qui capte un peu ton attention. Tu entends un genre de claquement d'air, tu vois, comme si quelque chose claquait dans l'air. Tu lèves la tête et tu vois un personnage habillé en noir avec une capuche sur la tête qui saute sur le toit. Et là-dessus, il saute dans la ruelle et tombant du toit, il s'écrase lourdement au sol, mais avec un style incroyable. À ce moment-là, il y a la porte arrière du bar qui s'ouvre et vous avez Miss Sombrelle qui en sort. Le Night Stalker se relève et vous regarde. Il a l'air très nerveux. Et il commence comme ça. C'est bien plus grave que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas un tueur en série, mais j'ai bien peur que ce soit l'anesthésiste lui-même. À ce moment-là, Miss Sombrelle vous tend des photos et vous voyez que... De quoi ? On s'en doutait. Et à ce moment-là, vous voyez des gros plans des gorges des victimes qui montrent 5 trous qui correspondent aux 5 seringues de la main gauche de l'anesthésiste. Les veines sont verdies par le poison. Il faut absolument l'arrêter, quoi qu'il arrive. À cette fin, j'ai pensé former 2 équipes. Cromwell et moi, nous irons sur les marques rouges représentant les victimes, dans le quartier nord de la ville, tandis que vous irez dans le quartier sud, près du port, dans le quartier de Bellotti Street. Ainsi, nous pourrons peut-être le retrouver plus rapidement. Donc nous, on fait une recherche près du port. Oui. Ok. Très bien, Night Stalker. Je sais pas la voix qu'il a, mon perso. Je vais lui faire une voix comme ça. Je vais peut-être parler normalement, c'est peut-être mieux. D'accord. Je regarde la carte. Ouais, ok. Est-ce que vous partez déjà de votre côté? Vous avez des questions à poser? Est-ce que... Voilà, on va aller à la chasse à l'anesthésiste, moi je propose. Hein, c'est... Ouais, je sais pas, on peut peut-être lui demander des infos sur la victime. Ah, les victimes, elles sont toutes différentes les unes des autres. Il n'y a aucun lien les rapprochant. Et celle du port, elle n'est pas particulière? Non, malheureusement, non. D'habitude, okay. D'habitude il avait la... Enfin, on le retrouvait souvent dans un abattoir, l'abattoir Stenson, mais j'ai été le fouiller et je n'ai rien trouvé. Très bien, très bien. Rien du côté du laboratoire Stenson. Non, bah alors, partons en vrai, sauf si tu veux t'équiper ou... On a de toute façon nos équipements qui sont sur nous. Non, on aurait pu enquêter dans le bar, mais on n'a pas vraiment d'informations sur la victime. Vaut mieux d'abord se rendre au port et voir ce qu'il en est. Voilà, voir si on trouve pas plus d'infos là-bas. Voilà. Alors Cromwell vous tapote sur l'épaule. Dites les gars, vous partez un petit peu à poil.
Là-dessus, il va vers sa voiture, il ouvre le coffre de sa voiture, et là, vous avez... Faut s'imaginer une armurerie portable. Enfin, vous voyez, le coffre est vraiment bien rempli d'armes. Est-ce qu'il vous faut quelque chose ? Oh, donc on peut se ravitailler ici. Je ne sais pas si... oui. Je ne sais pas si je suis apte... Je serais apte à me servir d'une arme, mais je vais en prendre une au cas où. Tu prends un petit pistolet. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Alors, tu as pistolet, fusil à pompe, pistolet mitrailleur, mais pas des trucs énormes, c'est pas des M16. Un petit pistolet okay. au cas où. Ouais, je vais aussi prendre un 9000, enfin un flingue avec quelques balles. À moins qu'il ait un point américain avec I love Jesus ou un truc bien bling bling. Ça aurait pu être bien, mais non, faut pas abuser, c'est un démon. Un fusil à pompe avec du gros. Non, mais d'accord, bah ouais, je vais prendre un flingue aussi, étant donné que ça va, je sais tirer. Là-dessus, Cromwell, lui, sort son fusil à pompe, mais un bon gros fusil à pompe, de son coffre, canoncier, il est là. Bon, ben, bonne chasse. Nous, avec nos deux petits pistolets. Un claquement d'air se fait encore entendre, et là-dessus, c'est le Night Stalker qui remonte sur les toits, et qui passe de toit en toit, pendant que Cromwell et Miss Umbrelle le suivent de loin, à pied dans la ruelle. Vous allez vers le port ? Ouais. Ouais. C'est parti. Vous y allez à pied ? En voiture ? En taxi ? En voiture ? Mais on est où, plus ou moins, par rapport au port ? Le centre-ville. Vous êtes de l'autre côté. Ah ouais, ok. Ah oui, on est au centre-ville, on est de l'autre côté. Il faut passer au-delà de... Il y a des ponts, tu vois, il y a des traîneaux, enfin des routes noires qui relient le port au centre-ville. C'est... Ça va très très loin, mais... Mais après, c'est pas peut-être pas prudent d'y aller à pied. Non. Mais on a une voiture, du coup ? Oh, vous pouvez avoir une voiture, oui, évidemment. Aaron a de quoi, hein. Voilà, moi j'ai aucun bien, hein. Moi, tout va à l'église. Bah écoute, on peut prendre ma voiture, hein. Pas de soucis. Alors, tu vas me lancer 2 dés pour la conduite. Double 6. Oh bah, magnifique, là-dessus... Sébastien Loeb. Là-dessus, tel un as du circuit, il démarre, mais vous avez vraiment les pneus qui font des burn-out, et vouam, parti. Et vous arrivez dans le quartier du port. Là, l'ambiance est assez pesante. Les dockers sont sur les quais en train de fumer leurs cigarettes à l'extérieur, mais il n'y a pas autant de dockers que d'habitude. Enfin, vous voyez, on sent vraiment qu'il y a un genre d'effectif réduit, un peu comme un confinement. Ok. Mais de toute façon, oui, il y a déjà la ville pour l'instant, elle est mal en point, visiblement, suite à cette succession de meurtres. Ah bah oui, bah tout le monde se méfie, tout le monde a peur, et il semble qu'il n'y ait pas forcément de lien entre les victimes, donc ça peut tomber sur tout le monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça. Bah, on va interroger les gens. Ouais. Ouais, bah on va interroger un des dockers, du coup, vu qu'ils sont pas nombreux, on va voir un des gars de l'équipe. Ok, qu'est-ce que vous voulez ? On aimerait savoir si... Putain, qu'est-ce qu'on aimerait savoir ? On enquête sur la vague de crimes. On aimerait savoir si vous avez vu des choses étranges ces derniers jours dans le coin. Vous me semblez fort étrange, vous. Non, on n'a rien marqué de bizarre dans le coin. On reste là, mais... C'est étrange, mais regardez. Normalement, ce bateau devrait être rempli de conteneurs. Et personne n'est à la grue. Cela me semble un peu étrange. Qui est-ce qui opère la grue, normalement ? Ah, normalement, c'est Tony. Mais Tony n'est pas là aujourd'hui. Et personne ne l'a vu ? Personne n'a vu Tony. Et il habite où, ce Tony ? Tony, il habite un peu plus loin dans le quartier, hein, et il habite tout près du port, évidemment, nous sommes tous de la même famille. Mais ça me semble bizarre de ne pas avoir vu Tony. Ok, est-ce que vous pourriez nous donner son adresse, hein ? Évidemment. On peut aller voir s'il est chez lui. Hein. Là-dessus, il griffonne son adresse sur un bout de papier, il te le donne. Et il te regarde un petit peu de haut, tu vois, il n'est pas très confiant. Hein,
Si ça avait été un démon ou avec notre... C'est un humain. Ok, on voit avec nos... Il faut quand même le dire si jamais on veut voir l'aura de quelqu'un. Oui. Ok, on le verbalise. Ok, bah alors je check son aura et c'est un humain. C'est un humain. Et il est accompagné d'un Néphélim. Ok. Bah, qui est aussi un des ouvriers là. Oui, qui est le docker qui l'autre docker qui l'accompagne, quoi. Ok, ben... Ah ouais, du coup, il faut pas que je monte devant l'autre. Est-ce qu'il y a moyen de le prendre à part pour un peu lui demander, en tant qu'ange, s'il sait ce qui se passe? S'il a pas des infos. Ouais, tu peux essayer. Il faudrait peut-être... Tu vas me lancer 2 dés... Il faut éloigner l'autre, parce qu'il faut pas... Tu vas me lancer 2 dés d'élocution, histoire de trouver une... un baratin à faire à son pote pour lui parler tout seul. Alors attention, parce que les doubles 6 de Guillaume... Ils sont connus. Mais moi, mes résultats de dés, attention, on va voir, je fais un lancé et c'est un 1. C'est même pas une vanne. Je refais un autre lancé et c'est un 2. Putain. Oh, le loup. Mais en plus, je le préchappe, hein. Je sais que c'est à chaque fois comme ça, à chaque fois qu'il y a des lancers de dés, Guillaume il fait des trucs de fou, moi j'ai fait 1 et 2, donc 2 du coup. Et là-dessus, bah, le docker regarde son pote, viens, on retourne à l'intérieur. Et là-dessus, ils s'en vont tous les deux. Yes. Je suis ravi de faire équipe avec toi. De rien, mon frère. Mon fils, de rien, mon fils. C'est pas avec plaisir. Si même un prêtre, il leur fait pas confiance. Ouais. Le prêtre le plus louche du monde. Bon, bah du coup, on va aller voir à l'adresse du docker. Voilà, on va suivre la première piste. Alors, je ne fais pas confiance à Frère Duhomme, donc je vais demander à Aaron, est-ce que tu peux me lancer 3D? Oui. Alors, 5, 4, 5. Bon, il est en forme, hein. Ah, ouais. Au moment où vous vous apprêtez à aller vers le domicile du docker, à remonter dans la voiture, vous entendez un cri qui vient du parc à conteneurs, enfin, l'endroit où sont stockés tous les conteneurs qui vont aller sur le bateau. Ok. Un cri. Ah oui, un cri, mais un cri genre... Ah, ah, ah. J'imite très bien. Ok, et c'est aussi pour ça que peut-être qu'il n'était pas en train d'être déchargé, j'y accours du coup. Discrètement quand même, mais on va voir ce qui se passe. Vous y allez, et alors là vous arrivez devant vraiment ce genre de parc à conteneurs qui est un gros labyrinthe. Je ne sais pas si vous avez joué à Max Payne, mais le moment où il est du côté du port, c'est vraiment un labyrinthe de métal qui va dans tous les sens. Alors vous allez chacun me faire un jet, donc Guigui, bah oui, Guigui 3D. Et 2 dés pour Frère Diom. Ça prend quel résultat? Le plus élevé ou... Oui, le plus élevé. 5. Ok, 5 aussi pour le plus élevé. Magnifique. Là-dessus, heureusement, vous êtes bien inspiré. Vous ne vous trompez pas trop de trajet. Enfin, vous arrivez à entendre le cri, à vous repérer parmi ce labyrinthe. Et là-dessus, une fois que vous êtes au centre du labyrinthe, vous tombez sur une victime qui est au sol, allongée sur le ventre, et elle convulse dans une mare de sang. Bah, je m'inspecte pour voir quelle blessure il a. Tu le retournes? Enfin, tu... Non. Il est couché face contre terre. Oui. Sur le ventre, quoi, oui. Face contre terre. J'ai aucune compétence de soins, donc je peux même pas essayer de lui faire les premiers soins. Je mets mes mains sur sa plaie en essayant que ça pisse moins le sang, mais il n'y a rien à faire. Et je regarde l'aura quand même. De quoi? Je regarde son aura, parce que je suis quand même suspicieux. C'est un humain. Un humain, ok. Bah, du coup, oui, je m'approche de lui et j'essaie de voir si je peux l'aider. Au moment où tu t'approches de lui, tu en es où toi, Frère Duhomme? Tu t'approches avec Guigui Ouais, moi je m'approche aussi pour... et je mets mes mains sur ses blessures, même si au final ça sert pas à grand chose. Là, bah forcément, il faut le retourner. Et juste quand vous le retournez, vous avez une bombe lacrymo qui vous explose en pleine gueule. Vous prenez... forcément, c'est stressant et tout ça. Bah, vous prenez de grandes inspirations et vous perdez conscience.
Au ralenti et tout, vas-y. Au secours. Au moment où vous reprenez vos esprits, vous êtes enfermé dans une pièce très sombre, avec des morceaux de métal au sol, avec une baignoire toute rouillée sur le côté. Enfin, vous savez pas bien où vous êtes. Et vous êtes attaché au niveau du cou à des chaînes qui sont elles-mêmes, enfin, qui sont reliées et attachées au sol. On s'est fait U. T'es venu, tu l'as vu et tu l'as eu dans le U. Et tout est sale autour, hein, mais vraiment hyper sale. Et il y a une odeur de pourriture et de charogne qui vous prend vraiment. Enfin, voyez, c'est. Et en même temps, ça vous rappelle quelque chose. Enfin, il y a un truc familier là-dedans, mais vous n'arrivez pas encore à bien vous le mettre en tête. Et il y a plein de meubles délabrés qui jonchent le sol. Et vous voyez qu'il y a un boîtier électrique sur le mur qui est positionné plus ou moins, allez, je dirais, à 30-40 cm de hauteur. Et qui fait des étincelles qui n'est pas rassurant. Au-dessus de vous, vous avez des tuyaux qui vont dans tous les sens. Il y a une grande porte métallique qui se dresse devant vous avec une fermeture électronique. Et là où vont les tuyaux, il y a un genre d'espace pour que les tuyaux puissent passer. Et à vue de nez, un corps pourrait passer, sans trop de problèmes. Enfin, si quelqu'un veut passer par là, il y aurait peut-être moyen. Et vous entendez un bruit de moteur qui attire votre attention. Et là-dessus, il y a une caméra qui est accrochée dans le coin de la pièce, qui se retourne vers vous. Ok. J'ai vu ça dans un film. Je sais d'où vient cette saveur familière. J'avais des appâts, mais j'en ai d'autres. Je ne sais pas lesquels garder. Sûrement ceux qui survivront. Le seul moyen que l'ange vienne jouer avec moi est de provoquer sa panique. Nous allons tous jouer ensemble. Bon gros taré, là. Je prie, moi. Je suis dans mon personnage, je prie. Non, c'est pas vrai. J'essaie de me débattre, j'essaie de voir. Enfin, là, je reprends doucement connaissance. Oui, oui, vous êtes en train de reprendre connaissance au milieu de tout ça. Ouais, mais j'essaie de voir à quel point je suis attaché, et je force un peu. Vous êtes quand même bien, 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 bien attaché, mais vraiment bien. Ok. J'ai pas moyen de faire quoi que ce soit. On a été dépouillés, hein, j'imagine. Oui, sauf vos objets fétiches que vous avez toujours sur vous. C'est des salopards, mais respect quand même. Mais qu'est-ce que... Attends, est-ce que tu peux répéter vite fait les éléments qu'il y a? Donc il y a les tuyaux avec éventuellement quelqu'un qui peut passer. Au plafond, hein, ça c'est au plafond. Au plafond. Il y a des un meubles. Un petit boîtier électrique. Il y a un petit boîtier électrique qui est à 40 cm du sol environ. Il y a des meubles un peu bousillés un peu partout. Et il y a une odeur de pourriture et de charogne qui vous prend au nez. Question ? Oui ? Je ne peux pas utiliser ma condamnation pour essayer de... Pourquoi pas ? De détruire les chaînes. Ah, mais pourquoi pas ? Écoute. Tu le fais ? Je ne sais pas si c'est obligé de targeter une créature vivante. Non, 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 tu peux l'utiliser pour tout. Mais là, par contre, il faut bien viser, hein, parce que si tu vises mal, tu risques De cramer le... Voilà, ouais. Voilà, voilà. Tu risques de... Bon. Je prépare déjà mon lancer de dératé. Moi, j'imagine que le faire sur moi, ça va être compliqué, donc je vais essayer de libérer Moïse. Non, tu peux le faire sur toi, hein, vous avez assez de distance. Hein. Le seul chose, c'est que tu vas me lancer quand même 2 dés, histoire de d'utiliser ton pouvoir. Si je le crame tous les deux. Hein. Et un 6 et un 1. Bah, pour toi, tu te décroches sans trop de problèmes. Tu fais, tu fais une condamnation, mais quelque chose de monstrueux. Donc tu es libre, tu as toujours le collier autour du cou, mais la chaîne n'est plus reliée au sol. Ouais. Okay. Ok. Juste à ce moment-là, tu as deux petites ouvertures qui s'ouvrent et il y a de l'eau qui commence à rentrer. Youpi, moi je suis toujours attaché. Ah, c'est tout le problème. Alors là, j'utilise mes compétences de combat à main nue et je fais madame, madame, madame sur la chaîne. Il y a de l'eau qui monte et il y a le truc qui fait des étincelles à 40 cm du sol, donc oui. Ça c'est pas très.
Nous avons donc frère du homme qui fait. Oh, c'est une vanne, je veux pas faire madame à la prochaine. tu peux essayer de forcer, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, je vais essayer de passer dans le trou, là. Dans le trou qui est au plafond. Ouais. Je suis athlétique, donc je vais essayer ça. Et tu laisses... Et d'ouvrir la porte de l'autre côté, parce que j'ai voulu que la porte est fermée, hein, bien sûr. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser, le trou pour les tuyaux n'est pas du même côté que de la porte. Hein. Ok. N'est pas du même... du même côté. Ouais, okay. Non, ils sont pas du même côté. Il y a un trou et il y a une porte de l'autre côté. Et le petit truc électrique. Le petit truc électrique, c'est le petit truc électrique, voir si ça ouvre la porte, mais... Ouais, mais il y a surtout l'eau qui monte. Là, on est à 20 centimètres. Je force quand même comme un gros bâtard sur la chaîne pour essayer de la briser, parce qu'il va falloir quand même que je me sorte de là. Je passe dans le coup pour essayer de trouver une solution pour ouvrir la porte, donc je vais quand même rentrer dans le trou. Ok, alors je vais vite faire le jet de Frère Duhom. Alors Frère Duhom, tu vas lancer 2 dés et tu prends le résultat le plus bas. Le plus bas, c'est 4. Ah, bien, bien. Bah tu arrives à décrocher... à décrocher doucement la chaîne, tu arrives, tu vois, à écarter 2 mailles, tu peux glisser la chaîne hors des mailles, mais par contre, voilà, tu es à 30 cm de l'eau, enfin, l'eau arrive à 30 cm du machin, donc faites gaffe. Mais je défais vite, puis je saute et j'essaye de m'accrocher au tuyau et au trou qui est au-dessus, du coup. Ah oui, juste derrière Aaron, alors. Ouais. Okay. Je vais passer par là aussi parce que j'ai pas envie de toucher l'eau quand elle sera électrocutée à 40 cm. Alors, n'oubliez pas les petits amis, vous êtes encore dans le cake à cause du gaz et tout ça. Donc, une fois que vous êtes à l'intérieur de l'ouverture, vous devrez avancer en vous hissant. Hein. Ça me paraît logique. Hein. C'est pas un grand espace. Hein. C'est vraiment. Vous avez des conduits qui passent dans tous les sens et qui vont rendre la progression très difficile. Et surtout, l'anesthésiste ayant vu ça avec sa caméra n'hésitera pas à ouvrir certaines alimentations de tuyaux afin de vous ébouillanter. Putain, on aurait dû la péter. On aurait dû la péter avant de monter par là. J'ai pensé, mais bon, je peux pas balancer des boules de feu. Juste quand... Enfin, c'est Aaron qui est devant. Donc Aaron, tu vas me lancer... Ouais, Aaron, il aura pas trop de difficultés. Tu vas me lancer un dé. 2. Et ben là, en avançant, ben, tu sens que le gaz te fait faillir. Enfin, tu vois, c'est... Et fort heureusement, tu l'as senti venir, tu as réussi à décaler et tu as un jet de vapeur sous pression qui passe juste à côté de toi, qui ne te fait pas tomber. Et en regardant un petit peu, vous venez de passer dans l'autre pièce, donc en avançant comme ça. Et dans l'autre pièce, il y a, vous avez en dessous un genre de grand bassin d'eau qui est juste en dessous de vous. Et si vous tombez dedans, vous ne savez plus réatteindre les tuyaux. Hein. Ok. 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 Là-dessus, Aaron, il faudra encore faire un jet de dés pour avancer. Mais là, maintenant, tu sais ce qui t'attend si. Moi, t'es devant, ça me va. T'ouvres la voie. L'autre qui reste derrière. Vas-y. Je lance un dé, c'est ça ? Encore un dé, ouais. 3. Ouais, là-dessus, tu as un jet de vapeur qui arrive, tu essayes de te retenir comme tu peux, mais tu n'y arrives pas, et pouf, tu tombes dans l'eau, mais... Génial. Dans le poids, mais t'as pas su faire autrement, quoi, le gaz n'aidant pas, et le jet de vapeur, forcément, tu t'es un petit peu ébouillanté, du coup, tu auras un problème à la main gauche. Ensuite, nous avons donc Frère Duhom. Frère Duhom, tu viens de voir ton compagnon tomber comme ça lourdement. Que fais-tu ? Moi, je continue et il n'a pas voulu me libérer. Tant pis pour sa gueule. Alors, tu vas lancer. Je lâche un petit chèque en passant. C'est grave, t'es tout. T'es à moitié démon, mon gars. Fallait être angélique. Non, c'est pas vrai. J'ai un bon fond, mais. Donc il a mal au poignet, mais est-ce que ça va ? Est-ce que je vois que dans l'eau, ça va quand même ? Oui, mais c'est juste que ça pourra l'incapaciter un petit peu s'il doit se battre ou quoi que ce soit avec, quoi. C'est bien... Okay, bah, je le garde en vue, mais j'essaye de trouver un chemin quand même en restant en haut, voir s'il n'y a pas...
Comme ça, on est sur deux trajectoires différentes. Il y a quoi dans la pièce où je suis ? Attends, j'y arrive. Je vais juste faire le mouvement avec Frère Duhomme. Donc, Frère Duhomme, deux lancers de dés d'affilée. Deux lancers de deux dés ? Non, un seul dé à la fois. Un seul dé à la fois. Parce que je dois faire lancer. Un jet entre les coups. C'est un 6. Oh ! Alors là-dessus, tu évites, mais tu passes et tu nargues un petit peu ton ami qui est un petit peu plus bas, car tu passes entre les jets de vapeur que l'anesthésiste est en train d'envoyer. Mais c'est Spider-Man. Voilà. Maintenant, tu vas le refaire une seconde fois, parce que tu n'arrives pas forcément encore au bout, tu as plus ou moins mi-course. Ouais, une seconde fois, et là, c'est 4. Ah. Et là, malheureusement, t'arrives à t'en parce sortir. Parce que je suis grand, ça. Mais tu te prends le jet de vapeur, heureusement il ne te blesse pas. Tu l'as vu arriver, tu t'es dit je ne pourrais pas. Celui-là je pourrais pas mais l'éviter, alors t'as préféré plonger dans l'eau avant de te le prendre en plein visage. Quoi. Foutu pour foutu, mouillé pour mouillé. Voilà quoi, hein, tant qu'à y être. Et autant être dans l'eau un peu tiède. Et là-dessus tu tombes à côté de ton compagnon. D'aventure, et il y a un petit reproche qui se perd. Hey, tu m'aurais libéré, hein? Vous sentez un peu l'amertume. Prochaine fois, je te tomberai dessus. Et donc là, vous êtes dans un genre de cellule inondée, si je pourrais dire, et vous ne pouvez pas toucher le plancher, enfin oui, ce qui doit être le plancher avec vos pieds. L'eau est assez haute que pour vous faire noyer de fatigue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas moyen de se reposer. Les tuyaux sont hors de portée, malheureusement. La gaine d'évacuation est beaucoup trop haute. Et les murs sont en métal, complètement recouverts de rouille. Vous avez un corps qui flotte à la surface à côté de vous. Mm-hmm. C'est une femme qui est morte noyée il y a plusieurs jours. Enfin, vu l'état. Ok. Vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a aucune porte, aucune ouverture. Ah, mais il faudrait peut-être plonger dans l'eau. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Mais... Ah, okay. Moi, je vais voir l'aura de la femme. Ah, bah, c'est un cadavre. C'est un cadavre de type cadavre. Moi, je plonge dans l'eau pour essayer de voir s'il n'y a pas un tuyau, une écoutille, une ouverture. Alors, tu vas me lancer 3D. Tu m'énerves à lancer 3D tout le temps, toi. 3, 4. Tu fais combien ? 3, 4 et 4. 4 et 4. Bah, en fait, t'arrives à regarder, il y a un genre d'ouverture à volant, tu vois, comme dans les sous-marins, pour verrouiller, pour la pression. Et tu vois ce truc-là, mais tu t'aperçois qu'il faut le tirer. Et à cause de la pression de l'eau, tu ne pourras pas y arriver tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? L'eau pousse sur la porte et du coup... Bon, ma frère Duhomme, c'est un peu notre seule option. Donc du coup, on va devoir le faire à deux ? Ah oui ! Ouais. Eh ben, je te rejoins. Blou, 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 blou. Je vais sous l'eau. Et je force aussi. Et là-dessus... On va prendre Frère Duhomme puisque Aaron est blessé à la main, hein, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc Frère Duhomme, tu vas lancer 2 dés seulement. 2 dés. Il y a beaucoup de pression et le dé de bonus, c'est ton compagnon qui te le donne. Je fais un 5 et un 1. Ah, magnifique. Alors du coup, là, vous arrivez à tirer légèrement la porte et vous voyez que l'eau s'engouffre, mais hors du machin et de ses vitesses. Et voilà, après quelques secondes, bah, toute l'eau est dehors et vous pouvez ouvrir la porte. Vous êtes trempé jusqu'aux os, les amis. Le cadavre, bah, il s'est fait emporter à moitié, il s'est décomposé à moitié en sortant avec l'eau, la pression. Là, bah, voilà, pas besoin de vous faire un dessin, il y a très peu appétant. Et voilà. Je mange le cadavre. Oh. Oh, bah, mec. Et à ce moment-là, bah, vous pouvez ouvrir la porte normalement. Ok. Il n'y a rien d'autre dans la pièce où on est. Non, 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 rien du tout. Bon, ben allons voir ce qu'il y a dans ce tuyau. En ouvrant la porte, vous arrivez dans un genre de couloir, si je puis dire. Et vous êtes sur le mur du fond et vous avez des cellules, un peu comme la vôtre, disposées de part et
de part et d'autre du petit couloir. Et le sol, c'est une grille qui est, vous voyez les grilles percées où on peut voir à travers. Et ben vous avez l'impression d'être au-dessus de l'eau ou un truc comme ça. Il y a de l'eau encore en dessous. Et vous avez donc trois cellules de chaque côté, à gauche et à droite. Et vous entendez un bruit de moteur, une caméra qui se retourne et vous entendez « Non, 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 non et non ! Vous ne pouvez pas vous retrouver là ! Ce n'est pas possible ! Je vais devoir m'en occuper moi-même ! Ah, je déteste ça ! On n'est jamais mieux servi que par soi-même, ici !» Et au bout du couloir, vous avez une porte. Elle aussi à volant comme celle que vous avez ouverte. Bon, toujours c'est pas notre équipement. Non, toujours pas volant. Non, mais cette fois-ci, je vais quand même essayer de casser la caméra. Ok. Tu la casses avec ta condamnation ? Oui, sauf si je peux le faire avec ma main. Mais... Bah, elle est en hauteur, hein, c'est histoire de... Alors, oui. Vas-y, 2D. 6 et 2. Bah, voilà, ça ne se pose pas comme question. Voilà, hop, le truc, il vole en éclats. Nucléarisé. Ok, il y a combien de cellules ? 3 de chaque côté. Ok, ben je fouille à gauche, tu fouilles à droite ou l'inverse ? Ouais, je fouille à droite, ça va. Ok, je fouille à gauche. Vous ouvrez les cellules ? Enfin, vous ouvrez les portes, je veux dire ? En fait, c'est pas grave, la porte. Il n'y a pas de fenêtre. Non, il faut ouvrir. Ok, d'accord. Bah alors, je vais pas ouvrir à gauche pendant qu'il ouvre à droite. Vu que c'est fermé et qu'on voit pas, je vais quand même attendre. Limite, il ouvre et moi j'attends, mais. Je suis prêt, quoi. Vous ouvrez laquelle ? Première à gauche ? Deuxième à gauche ? Première à droite. Première à droite, je l'ouvre délicatement. Ok. Prudemment. Première à droite, tu l'ouvres délicatement. Et là-dessus, tu as un raz-de-marée d'eau qui fait que le truc, il se claque contre le mur. Tu vas me lancer 2D. Moi, j'étais prêt au combat devant la porte. Là. Alors, 6 et 1. Ah, magnifique. Bah, tu as réussi à reculer à temps et à ne pas te prendre le coup de la porte, tu vois. Enfin... C'est tout pour le prêtre. Et du coup, bah, le prêtre, il se prend de l'eau dans la gueule, encore une fois. Et là-dessus, il se retrouve avec un compagnon dans les bras, si je puis dire, qui est malheureusement mort aussi. Ça va pas. Je lui fais les derniers sacrements. Ok. Tu peux. Je regarde un peu dans la pièce qui est maintenant vide si je vois quelque chose. Pas grand chose. La même chose que la vôtre. Enfin, la même chose de. Oui, j'imagine que c'est qu'on est aussi dans une cellule. Là, je dis à Guillaume. Alors, tu penses que ça vaut le coup de fouiller les autres? Les autres cellules, ou bien alors on prend la porte, la seule porte qui est au fond. Non, c'est pas ce qu'il y a au fond. Si ça se trouve, c'est pas toutes des cellules, il y a peut-être autre chose. Ok, bah alors on peut continuer à fouiller, moi ça me va. Et bon, là, si on va au fond et quand on sera anesthésiste, on a quand même rien pour le. C'est vrai qu'on a rien du tout pour s'en occuper. Non, c'est vrai, autant fouiller, t'as raison. Autant fouiller. Vous ouvrez quelle porte ? La deuxième porte à droite, j'ai envie de dire. Hein. Dans l'ordre. Deuxième porte à droite, qui l'ouvre ? Je suis de nouveau prêt au combat. Je veux bien l'ouvrir si tu veux. Quand non, ça va, ça va, je peux l'ouvrir. J'ai compris que t'étais un couard. Non, t'as mal à la main, je vais l'ouvrir. Je l'ouvre. Là-dessus, tu ouvres la porte, et là, encore une fois, un flot d'eau en sort. Tu vas me lancer encore 2D, Guigui. 2 et 3. Ouh, 2 et 3 ? Ouais. Oh, et là-dessus, bah, bam, la pression a fait que tu te manges le truc. Et tu vois, tu n'as pas su te retenir. Est-ce que ton compagnon tente de te retenir Bah, moi, je suis derrière lui, là, donc oui, j'essaye au moins de le retenir. Vas-y, lance. À me prendre son crâne dans le. Lance dans le 2D. 2D. 5 et 6. Ah, magnifique, tu arrives à retenir ton ami avant qu'il ne tombe. Et là-dessus. Attends, bah, j'ai des meilleurs jets au dé virtuel qu'au vrai dé. Hein. Je suis content. Et là-dessus, ben, vous avez une jeune fille qui est là, mais qui est toujours vivante. Et qui... Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, hein. Bonne nuit, on ferme la porte. Non, c'est pas vrai. Non, moi, j'accours près de la... C'est une gamine, c'est une jeune femme. Bah, elle doit avoir la vingtaine à tout péter. Elle doit avoir la vingtaine. Bah, quand même, j'accours
Et j'essaye de voir si ça va bien. Je regarde si... Enfin, elle est juste... elle était juste dans la pièce pleine d'eau, donc il n'y a rien, elle n'est pas blessée, non. Rien. Non, non, elle n'est pas blessée. Par contre, tu vois qu'elle a des marques d'injection, enfin, qu'elle a les marques de seringue dans le dos. Elle a été anesthésiée. C'est bien son moral quand même, mais sans que voir si elle n'est pas un coup fourré. C'est une humaine, c'est une humaine. Ok. Mais elle est en état de choc, hein, elle est complètement en état de choc. Donc, a priori, elle est condamnée. Quoi. Ben non. Elle est effrayée et tout, mais elle est condamnée en quoi? Donc elle a eu des injections de l'anesthésiste. Ah, c'était peut-être, oui, c'était peut-être juste pour l'endormir. Hein, c'est... Ouais, voilà. Il n'y a pas de traces vertes sur son cou? Non, mais... non. Pas encore. Pas encore. Elle est condamnée. Tu lui casses le cou. Je suis là en train de lui parler. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Non, t'as le fret, moi je suis le flic résigné. Hein, okay. Il était à terre. Non, bah du coup, on lui demande de quoi... Elle se souvient de quoi, en fait, de quoi? Je rentrais chez moi après le travail, et là, j'ai senti une douleur dans mon dos, et puis je me suis retrouvé dans cette pièce où il y avait l'eau qui montait. Et je crois que ça fait plusieurs jours. Je sais plus combien de temps je suis là. Le temps est passé, j'ai essayé de survivre, mais je suis fatigué, j'ai mal aux bras. Et vous la voyez, elle a quand même les bras bien meurtris. Enfin, elle a fait ce qu'elle a pu pour tenir hors de l'eau, quoi. Ah oui, ok, ça fait longtemps qu'elle nage. Ben, en vrai, est-ce que ça vaut vraiment le coup de la prendre avec nous, mais en même temps la laisser ici? Est-ce que c'est pas la condamner? Est-ce qu'on la prend sous notre aile? Est-ce qu'elle est en état de se déplacer? Est-ce qu'elle est en train de marcher? Non. Ça se voit qu'elle est vraiment fatiguée, quoi. Enfin. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de sec, quelque part, dans cet environnement très, très humide pour l'instant? Qu'est-ce que tu entends par un truc de sec? Une couverture, un drap, non. Vieux rideau, non, et rien du tout. Bah du coup, option 1, hein. Et puis après, on referme la porte. Non, moi, je peux pas faire ça, t'as un démon, mais moi, je dois être altruiste. Donc... Oui, enfin, ma motivation, c'est quand même ramener la paix et la justice. Oui, mais t'as un fond de démon, donc... T'es un gentil bad guy, tu vois. Ah non, de j'ai pas confiance en toi. Oui, mais bon, de toute façon, moi, je suis pas pour qu'elle vienne avec nous. Elle va juste nous attirer le mauvais oeil. Non, mais elle va pas venir avec nous, mais on lui dit qu'on va aller chercher de l'aide et qu'on revient dès que possible. Mais de toute façon, là, il va falloir s'occuper de l'anesthésiste. Et... Moi, j'aime bien un peu l'autre, mais ça va être là. Et puis, en plus, on a d'autres portes à ouvrir, là. Donc, en vrai... Tu peux essayer... Mais c'est toi qui le fais, en fait. Tu peux essayer de la calmer avec tes soins mentaux, hein, n'oublie pas. C'est vrai que j'ai des soins mentaux, c'est vrai que j'avais oublié ça, j'ai pas de soins normaux, mais ben alors j'essaie de l'apaiser avec mes soins mentaux. 2D. 2D, lancer, 2-2. Ah bah tu n'y arrives pas, tu la mets dans un état de panique encore pire, et là-dessus elle commence à te griffer le visage et elle se cache derrière Aaron. Ah mais bah, ça va, vraiment inutile. Eh ben du coup, elle savait bouger, tu vois, grâce à moi, on sait que maintenant, elle sait bouger. Alors peut-être qu'elle a rampé jusque derrière toi, mais au moins, elle peut nous suivre en rampant. Non, mais on va nous handicaper plus qu'autre chose. C'est restant pragmatique. Non, mais ben, du coup, oui, mais du coup, c'est à toi de lui parler, là. Elle me fait plus confiance, moi. Tu peux utiliser ton baratin, hein. Écoute, ouais, bah moi je lui dis, écoute, reste au sec, parce que bon, maintenant il n'y a plus d'eau dans sa cellule. Non, il n'y a plus d'eau dans sa cellule. Nous, on va essayer de trouver la sortie et de ramener de l'aide, et on viendra la rechercher, et qu'elle essaye de se cacher quelque part, le temps de survivre, le temps qu'on revienne. Tu lances 2 dés. Un 5 et un 4. Ça marche nickel. Elle retourne dans sa cellule. Et elle te supplie de laisser la porte ouverte et de ne pas l'oublier. Ouais, je vais essayer ça, ouais. Je vais noter ça sur le dos de ma main. Moi aussi, je vais noter ça sur le dos de sa main. Donc, il vous reste la troisième porte à droite et les trois portes à gauche. Oui, dernière porte à droite, je suppose.
Tu l'as fait ou je l'ai fait ? Je l'ai fait pour une fois. Tu l'as fait, oui. J'ouvre la porte. Et là-dessus, encore une tonne d'eau qui tombe sur vous. Et, et là, par contre, tu vas me lancer 2 dés, frère du homme. 5 et 4. Ah, grâce à ton endurance physique, tu arrives à tenir le choc de la pression de l'eau. Et là-dessus, c'est un jeune homme qui tombe dans tes bras, toujours vivant. Ok. Il peut aussi être vivant. Il pourrait pas avoir du loot comme tout le monde. Non, mais du coup, Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas, J'étais à la salle de sport. Et là. Et tu vois qu'il est vraiment en état de choc aussi, crevé aussi. Ok. Est-ce qu'il a l'air quand même plus en forme que l'autre? Pas du tout. Pas du tout. Donc là, je le porte et je sens son poids, quoi. Ben, je vais essayer la technique de l'autre, je vais essayer de le baratiner là en lui disant retourne dans ta cellule, on s'occupe. Toi, t'as pas le baratin, t'es prêtre, t'es honnête. Eh ben, je suis honnête, alors je lui dis honnêtement retourne dans ta cellule. Au final, c'est la même phrase, c'est juste que je le pense. Ah, mais c'est mieux, mon baratin marche sur toi aussi. Et non, et je lui dis que c'est pas le seul survivant, non, c'est vrai, c'est important. Que s'ils sont deux, ils seront rassurés. Quoi? Ah oui, c'est vrai, je dois le traiter mentalement, vu qu'il est chargé de 2D. Oui, on peut essayer de regrouper les estropiés. Lance 2D pour les soins mentaux. 3 et 1. Alors là-dessus, encore une fois... Il me griffe au visage et il va se cacher derrière. Light met un pain, mais vraiment, c'est le pain du bout, tu vois, de survie, de force. Et il se planque derrière Aaron... Et il regarde Aaron. Ne laissez pas s'approcher de moi. Et là-dessus, tu as une de ces patates. Par contre, tu perds un point de résistance à cause de ça. Oh là là. Donc je suis. Bon, bah, je vais le baratiner comme l'autre. Hein. 2D. Je vais dire d'attendrir. Et je lui dis quand même qu'il y a aussi une autre personne. Ok. Oh purée, j'ai fait 1 et 2. Là-dessus, effrayé comme pas deux, il te repousse, mais d'un geste, mais. Assez violent. Et par contre, la jeune fille vient et la jeune fille lui dit de venir près d'elle. Parce qu'elle a été sauvée aussi, non pas par le frère du homme, mais par Aaron. Et du coup, elle a confiance à Aaron. Il a fait 1 et 2 et ça passe. Parce que grâce à la fille. Moi je parle plus aux gens. Hein. Je parle plus jamais aux gens. Je comprends le malus là. Bon. Relation avec les noms initiés, effectivement. Est-ce qu'on peut encore une cellule ou... Non, on va continuer. Non, on fouille un peu sa cellule à lui. On n'a pas fouillé sa cellule. Ouais, j'imagine qu'elle est vide aussi, mais ouais. Vide aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut se faire des âmes avec leurs os? Ça me rappelle Hulk. Ça, c'était mon truc lors du dernier jeu de rôle. Je sais pas si tu te souviens. Si oui, t'es Phagodos, je m'en souviens très très bien, et qui t'ont permis d'éviter les pièges. Ouais, j'ai joué tout le piège avec des os. Non, bah du coup, j'ouvre, étant donné que Guillaume en a ouvert deux, je vais ouvrir une de la première à gauche. La première à gauche, un flot d'eau, donc tu vas lancer 2 dés encore. Je fais 2 et 3. Ah, là, par contre, tu te fais emporter par le courant et tu tombes en arrière. Ah, oui. Bien violemment, tu te fais un petit coup à la tête et du coup... Un point de résistance? Non, pas de point de résistance, mais par contre, tu auras une condition, je veux pas dire étourdie, mais petit coup de commotion, quoi. Hein, ça te fait quand même bien mal. Et là-dessus, tu as un cadavre qui te tombe encore en plus dans les bras, mais un truc. Ça doit faire au moins des mois que c'est là-dedans, tellement c'est. Super. J'ai l'impression que ça va pas donner grand-chose, hein, les cellules, donc. Non, en vrai, ça n'a pas l'air de... Mais bon, il en reste 2, on en a fait 4. Ce serait quand même con que dans une cellule, il y a un truc... Je vais ouvrir la suivante, écoute. Et puis, vous pouvez sauver des vies aussi, enfin, l'air de rien. C'est vrai. Sauver des quoi? Pense un peu, peut-être qu'il y a encore des gens là-dedans, vas-y. Tu vois, j'ouvre la suivante. Je reprends la motivation de frère du homme, hein. C'est quand même défense des êtres humains. C'est vrai. C'est la motivation de faire du avoué, on est bien d'accord, mais c'est pas la mine. Ah oui. Déjà qu'il l'abandonne tout à l'heure, maintenant il veut l'abandonner avec la motivation, mais quelle équipe.
Quelle belle. Moi, je suis à deux doigts d'enfermer Frère Dion avec les deux autres. Ils vont me griffer à mort. Alors, du coup, bah, tu ouvres la suivante. Oui. Là, par contre, pas d'eau qui sort, mais tu rentres dedans et tu as un squelette dans un coin. Il y a des choses autour du squelette ? Des vêtements qui... Bah, les vêtements qu'il portait, sûrement. Est-ce que les vêtements sont secs ? Les vêtements sont secs. Le truc a l'air d'être là depuis un long moment. Ok, bah, je vais apporter les vêtements secs aux deux qui me détestent, parce que, voilà, je suis quand même... Je suis quand même bon. Ok. je leur dépose timidement. J'ouvre la porte et je les dépose timidement au sol. Et après, je me recule. Histoire que... ne soient pas trop intimidés par ma présence. Par ma prestance de moine. Je ne dis rien, mais quand même, un prêtre qui donne des vêtements secs à des jeunes hommes et une jeune femme... Alors qu'ils sont humides, oui. C'est un peu... Ça va. Je respecte quand même le squelette, voir s'il n'y a pas des marques ou quoi, quelque chose qui indiquerait sa mort. Non. Non, rien du tout. Mais par contre, le squelette est hyper propre, hein, comme s'il avait été nettoyé, tu vois. Et dans la pièce, il n'y a rien d'autre que le squelette. Il n'y a rien d'autre que le squelette. Bien. Bon, on va ouvrir la dernière cellule, alors. Qui l'ouvre ? Moi. Lance-moi 2 dés. 3 et 5. Alors, ça, là, tu arrives à tenir la pression, tu vois, encore de l'eau qui se vide, et là, par contre, tu as encore une jeune fille qui tombe dans les bras, et elle est toute paniquée, elle est toute en état de choc. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis tellement fatigué. J'ai mal au bras, j'ai mes jambes qui me font mal. S'il vous plaît, aidez-moi. Alors je vais essayer de l'apaiser avec mes soins mentaux. Vas-y. En lui disant que tout va bien. En lui disant que je vais essayer une technique qui marche plus ou moins une fois sur trois. Donc normalement, ça devrait aller. Vas-y, 2 dés. 4 et 4. Ça marche. C'est oui, mais... Ça marche. Oui, mais... voilà, elle est légèrement apaisée, mais par contre, tu lui fais peur. Par contre, elle me déteste. Elle ne déteste pas. Tu as réussi à l'apaiser, mais elle se méfie un petit peu, tu vois. C'est un peu bizarre que quelqu'un arrive comme ça et la sauve. Oui, elle se méfie. Bah, du coup, j'essaie de lui expliquer qu'on a été enfermés comme elle. Qu'on a trouvé d'autres survivants. Où ils sont les autres survivants ? On lui montre la cellule, la deuxième de droite, du coup. S'ils ont tous été dans celle de la fille. Et là-dessus, bah, elle va rejoindre les autres et ils sont tous les trois en train de trembler dans un coin de la pièce. Quoi. Ok. Il n'y a rien d'autre dans la pièce, je suppose ? Rien du tout. Ok. Qu'est-ce qu'on fait du coup Guillaume ? Le seul truc utile qu'on pourrait prendre, c'est le squelette, c'est prendre un bon petit tibia là. Et c'est tout. Ouais, à la limite, je prends le fémur, ça pourra toujours servir de massue. Tu le brises et puis après tu serres comme pointe. Non, en vrai, on va ouvrir la porte. Moi, je vais même pas prendre 2 pièces du squelette. Ah, mais moi, je prends vraiment le fémur. Hein. Là, je prends vraiment le fémur comme massue, ouais. Moi, je reste à main nue. Ça ne m'étonne là, pas. C'est comme ça que je serai le plus efficace. Vous ouvrez la porte du fond ? Ouais, on ouvre la porte du fond. Je l'ouvre. Tu l'ouvres, et là, vous êtes face à une salle assez particulière. Le sol est aussi grillagé comme ça, mais sur les côtés du sol, il y a des câbles qui les relient au plafond. Et en dessous, c'est de l'eau. Comme si elle était... Bah oui, elle est attachée par le plafond, mais pas sur les côtés. Donc, limite, quand vous allez mettre les pieds sur la plateforme va bouger d'avant en arrière. Enfin, vous voyez un peu... Ok, oui, je vois. Ah. Un peu pont de singe, mais en métal. Comme oui, ça. Voilà. Très belle définition, pont de singe. J'avais complètement zappé. Les plateformes sont suspendues, on dirait un genre de bassin. Vous avez une porte sur la droite et vous avez une porte sur la gauche.
Mais vous allez devoir marcher sur cette plateforme pour pouvoir accéder aux portes. Et voilà. Bon, bah c'est moi qui suis devant, du coup... je dis à Guillaume de ne pas passer tant que je suis encore dessus. D'attendre. On va à celle de gauche ou celle de droite, avant tout? Comme tu veux, hein. Comme tu le sens. Je vais essayer celle de gauche, on va commencer par la gauche, là. Peut-être j'ai notre instinct. Un petit coup d'instinct, vas-y, 3D. 6, 4 et 1. Alors, ben, il te semble que si tu vas à droite et que tu refais à droite, tu vas revenir à ton point de départ. Ok. Tu vois, enfin, au niveau de la... de l'emplacement, enfin, comme tu as pu te faire une carte dans ta tête, tu arriveras à ça. Donc, à gauche, ce serait une autre direction, ou alors à droite et tout droit. Voilà. Par contre, il y a un truc que tu remarques, c'est que sur les fils en métal qui tiennent la plateforme, tu vois qu'il y a des genres de petites charges clignotantes. Mmh. Mmh. Ouais, du coup, ça peut péter à tout moment. Est-ce que je pourrais utiliser ma stase sur les charges, ou c'est un seul objet? Un seul objet. Alors moi, je pourrais avoir quoi? Mais non, plus grand chose pour ça. Ben est-ce qu'il y a moyen de passer sans passer par cette espèce de pont? Non, du tout. Non, on est obligé. Ce serait con quand même que je passe et puis après que le pont se casse. Ouais, mais si ça arrive, je peux utiliser ma stase pour essayer de maintenir en vie. Pour essayer de maintenir le pont, mais ce cas c'est que même s'il s'est cassé, après tu passes comment? Bah après tu te démerdes et moi je fais ma vie. avec les autres. Tu repeuples la terre avec les gens dans la cellule 3. mon dieu, que c'est glauque. Ah, tu pourrais utiliser ta stat sur le pont, carrément, tu vois, si jamais le truc... Oui, c'est vrai. Pète, tu l'utilises sur le pont et tu peux passer dessus, hein. Moi, je peux me déplacer pendant que c'est en stase. Oui, te déplacer, oui, te concentrer sur autre chose, non. Ok. Bah... Écoute, alors, on va partir voilà. Là-dessus. Concentre-toi bien sur le pont, parce que t'as vu les petites charges explosives. Ouais. Alors, moi, je vais avancer prudemment, quand même, sur le pont, et je vais aller, du coup, vers la gauche, vu que vers la droite, ça nous ramenait au début. Ouais. Vas-y, à gauche. Alors, à gauche, bah, tu vois que pour atteindre la porte, il faut quand même effectuer un bon jump. Hein. Ok, mais j'ai éducation physique. Oui, ouais, ouais, ouais. Donc ça te fait 2D. 2D. C'est 4 et 4. Alors, tu fais ton saut, mais juste en faisant le saut, bah, l'atterrissage n'est pas parfait. Tu te bloques la cheville dans un... Tu vois, vu que c'est grillagé, tu te bloques la cheville dans un des grillages et tu te fais bien mal à la cheville. Quoi. Ok. Ok. Donc là, je suis étourdi. C'est vrai que j'avais ma blessure à la tête. Et oui, oui. La cheville. Et par contre, tu es de l'autre côté et tu as la porte juste derrière toi. J'ai la porte juste derrière moi. Bah du coup, là, j'attends Guillaume. Hein. Je vais... Bon, bah à mon tour, voilà. À ton tour, oui. À ton tour. Oui, je vais le rejoindre. Bah... Tu t'engages sur le machin, tu arrives à l'endroit où il y a le petit jump et il faut que tu fasses un bon saut, mais tu es athlétique, donc tu vas me lancer 3D. 4, le plus haut. Ah, 4, pareil, tu mauvaise réception, si je puis dire. Et en plus, ton pote est resté là, donc t'avais pas beaucoup de place pour ta réception. Mmh. Et tu pars quasiment en arrière, tu vois, est-ce que tu le retiens, frère du homme? Avant qu'il oui, tombe oui, bien sûr que je le retiens. Je suis resté là quand même. Ça, pour l'aider, s'ils sont un obstacle, je l'aide. Donc je lance un dé? Non, du tout. Tu le retiens, tout simplement. J'aurais pu juste décider de ne pas le, retenir et il serait tombé? Oui. Oh, pas du tout. C'est bien d'avoir une charge morale. Enfin, tu vois. C'est bien de vouloir aider les autres, c'est vrai. Attends, je reviens vite fait. Vas-y.
Ça va, Moïse? Tu t'aimes bien ou... Ouais, non, c'est fun. Je m'amuse bien. Ouais, y a d'autres scénarios différents, hein, mais ici, c'est vraiment que j'ai essayé, j'avais envie de le faire avec vous, celui-ci. Et si jamais vous avez envie, alors après, moi, j'ai quand même la campagne à tester, donc si vous êtes chaud... Bon, on pourrait... Pas ce soir, évidemment. Non, évidemment. C'est plus long. Oui. Ce soir, ce sera fini ou bien alors ce sera en plusieurs... Ce sera fini, ce sera juste... C'est un one-shot, ici. Ok, c'est un petit one-shot, ok. Voilà. Ah... donc voilà, vous êtes face à la porte de l'autre côté et vous avez une odeur de maintenant vous le sentez mieux que tout à l'heure, un peu d'embrun marin, vous voyez, vous avez l'impression d'être pas loin du port. Ok, donc il nous a pas emmené à Outipou, là, ça va. Il nous a pas emmené si loin que ça, donc on est toujours. On serait peut-être même bien dans un des coins, genre sur le bateau où il y a encore les containers, ou sur le truc où il y a moyen qu'il soit toujours là. Parce qu'il a des systèmes d'eau, donc c'est vrai qu'il doit être en connexion avec le fleuve. Et à part les embruns, du coup, il y a quoi d'autre, là, quand on ouvre la porte? Ah, non, là, c'était juste avant d'ouvrir la porte, hein. C'est vraiment... Juste avant d'ouvrir la porte, ouais, bah, ouais. Du coup, on ouvre la porte. Vous ouvrez la porte, et là, vous arrivez, les éclairages sont très très faibles, et vous reconnaissez comme ça un genre de système de triage et de nettoyage de poissons. Vous voyez qu'on amène les poissons en gros, et qu'on... À mon avis, on est sur un bateau. Soit sur un chalutier, soit sur vraiment les abords du port... Il y a pas mal de machines qui occupent un peu l'espace, hein, vous voyez, des caisses en plastique sur les côtés afin de recueillir les poissons qui sont nettoyés. Et en regardant sur le côté droit, vous avez un petit vestiaire pour les employés en face d'un espace de repos. Les tapis roulants sont recouverts de poissons morts provenant de la mer. L'odeur est insoutenable, tellement ça prend fort. Enfin, vous voyez, l'odeur de fruits de mer, mais bien... Et par contre, au fond, en hauteur, vous avez une petite salle de contrôle éclairée. Et à travers la vitre, vous pouvez voir l'anesthésiste qui est en train d'appuyer sur plein de boutons. Jusque-là, vous ne vous êtes pas encore fait voir. Okay. J'avance discrètement vers le vestiaire. Tu as accompagné de frère du homme ou pas? Je le suis, je regardais si j'avais des compétences particulières en discrétion, mais non. Vous allez chacun me lancer un dé. 4. C'est un 3. Oh. Faudra prendre l'handicap Moïse, hein, quand tu... Là-dessus, vous rentrez dans le petit vestiaire et vous entendez « Ah ah, vous êtes arrivé jusqu'ici! Félicitations! Vous aurez le temps de sauver les derniers survivants, peut-être ou peut-être pas. » Et là, à ce moment-là, vous avez... un système, vous entendez que l'eau est en train d'envahir les cellules que vous avez ouvertes. Heureusement, vous les avez ouvertes. Et dans le petit vestiaire, vous voyez que sur le côté, y a des salopettes et ce genre de choses-là. Mais par contre, il y a les crochets pour choper les poissons. Il y a des grosses raquettes pour justement... J'essaie de me dépêcher de fouiller le vestiaire si je peux trouver quelque chose qui me servira. Je chope un crochet directement. Oh bah tu as des crochets, des machettes. Moi je prends une machette. Hein. Ok. Crochet pour Duhom et machette pour Aaron. Ouais. Ok. Et juste au moment où vous avez fini de fouiller le truc, vous voyez par la fenêtre des créatures qui avancent dans l'ombre. Un genre de créature, vous voyez Resident Evil? Oui. Les Lickers. Ah, non. Oui. Les grosses créatures qui avancent à quatre pattes avec les muscles à l'air et tout ça. Enfin, tu vois, ce genre de créatures-là. Je vois, du coup. Il y en a quatre. Vous entendez les claquements sur le sol. Vous les voyez au loin. Et... Ils arrivent de quelle direction? Ils arrivent du fond de la pièce. Donc, en dessous de la petite cabine de contrôle. Ok, bah... Est-ce qu'il y a moyen de...
qu'il y a un chemin on pourrait les éviter. Revenir en arrière Les tapis roulants, ils mènent pas près de la cabine de contrôle. Ah si, mais ils pourraient peut-être vous choper entre les coups, hein, mais c'est pas une mauvaise idée. Et ils ne tournent pas tant que maintenant. Hein. Bah écoute, moi j'ai envie de dire, je tente un sprint sur les tapis roulants pour essayer d'atteindre la tour de contrôle. Là. Ok. Beau ça risque d'être un bon moment. Moi alors je vais me mettre en position, le voyant faire ça, je me mets en position pour essayer de les retenir, en fait, essayer de le couvrir en quelque sorte. Ok. Donc là-dessus, nous allons avoir notre premier personnage athlétique qui va courir et faire un slide sur les tapis roulants. Tu vas me lancer 3D. Alors un 1, un 4 et un 6. Ah. Et là-dessus, tu arrives à courir, à prendre ton élan, tu passes à côté d'un rampant, tu passes à côté d'un autre rampant qui saute, tu vois, pour essayer de t'avoir, mais tu passes au milieu, quoi, un truc de fou. Tu montes sur le tapis roulant, tu commences à glisser, et là, il y en a un qui donne un coup de griffe, qui te fait tomber du tapis roulant. Heureusement, c'est pas dans ta gueule, enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu l'as évité de justesse, mais tu es coupé à la moitié de ton trajet. Il y a deux rampants qui foncent sur Frère du Homme, il y a les deux rampants qui foncent sur toi. Ah oui, c'est les rampants, ce sont ceux qui n'ont pas le haut de leur tête, ouais, c'est ça ? Ouais. Ok. Ouais, du coup, celui qui saute sur moi, je lui donne un grand coup de crochet, et en même temps, j'essaie de le retenir avec mon autre bras, quoi. Alors, tu vas me lancer 3D. 3D. Une. Lancer. 3, 6, 1. Tu le chopes à la gueule avec le crochet, tu vois, vraiment... Juste quand il est en l'air, t'arrives à le choper dans les airs, et en tournant, t'arrives à l'écraser contre le mur. Forcément, ils ne sont pas bien costauds, tu le déglingues. Et tu as le deuxième qui te saute dessus. Enfin, tu vois. Ok. Et le deuxième, par contre, il te bourbe un dent, il arrive à te griffer au torse. Tu perds un point de résistance, parce qu'il t'a sauté dessus, fait tomber en arrière et t'a griffé. Ok. Et voilà, maintenant à notre cher Aaron. Je vais tenter une condamnation. Ah, sur celui qui est près de toi, l'autre est encore assez loin. Enfin, ouais. Ok, vas-y, tu vas lancer 2 dés. Un 3 et un 4. Ouh, là par contre, tu lances une condamnation, il était vachement proche de toi. Ouais. Il était vachement proche, tu te reprends un retour de flamme dans la gueule, littéralement, quoi. Et tu vas te prendre un point de résistance, mais tu lui as cramé la gueule, quoi. Ok. Bien joué. Là-dessus, l'autre... Du coup, attends. Moi, je finis celui qui était sur moi, le deuxième, là, qui m'a griffé. Alors, là, par contre, l'autre, qui est près de Aaron, saute pour essayer de l'avoir. Alors, toi, ton... Ah oui, c'est vrai, il y avait celui-là. Est-ce que je peux tenter une stase ou... Oui, tu peux tenter une stase. Bah, tu le mets en stase, tout simplement. Là-dessus, bloqué, il est bloqué en l'air, tu vois. Et là, je peux lui mettre mon petit coup de machette, quoi. Tu ne peux pas altérer sa condition avec la stase. Ah oui, c'est vrai. Non, mais par contre, je peux continuer ma course. Ah non, tu ne te concentres plus dessus, alors. Non. Ouais, alors ça va pas vraiment m'aider. Je vais juste essayer de lui foutre un coup de machette avant. Ok, tu vas me lancer 2 dés. Un 6 et un 1. Putain, coup de machette exceptionnel. Oh, tu le coupes en deux net. Et nous allons revenir donc à notre cher frère du homme qui se retrouve avec un rampant sur lui en train de le griffer et tout ça. Que fais-tu, frère du homme ? Il y a l'autre qui est éclaté. Je lâche mon crochet dans l'autre et je commence à m'arraver à coups de poing celui qui est au corps à corps avec moi, du coup. Tu lances 3 dés. 1, 1, 6. Alors là, tu lui déglingues la mâchoire. Mais un truc de fou, hein. Et tu vois qu'il y a sa mâchoire qui est brisée et tu continues à frapper dedans. Le truc, il est en train de se ratatiner de plus en plus. Mais il lui reste les griffes. Et là-dessus... il te remet une tatane. Une tatane griffue. Tu vas te reprendre un point de résistance. Ouh là là, chaud. Chaud. Que fais-tu ? Qu'est-ce que je fais ?
je peux même pas l'exorciser parce que c'est sa forme normale. Il est pas mort, le bestiau? Non, pas encore, pas encore. Bah alors j'essaie de l'achever quand même, j'ai pas trop le choix, là je peux pas vraiment bouger. Ok, vas-y. Cours pour la vie. Je relance 3D du coup? Oui, tu relances 3D. Je peux pas le mettre en stase, moi, celui qui est à moitié crevé. Je suis occupé de l'autre côté. Ah oui, 5, oui, oui, t'es occupé. Hein, pour le... Ça se passe en même temps. Hein, c'est... Tu fais quoi? 3-5-3. Ah, bah là, tu arrives à te retourner, à prendre le dessus sur lui, et tu lui brises la nuque, mais d'une... Ça va. Tu as réussi, tu vois, avec le... Avec ton... Avec ton éducation physique, à reprendre le dessus, et vu qu'il avait la mâchoire brisée, c'était pas compliqué, t'as craqué le tout, quoi. C'est... Ok. Et voilà. Désolé. Il est parti. Désolé, Guillaume, je vais pas pouvoir t'aider. Parce que là, je suis non, blessé, mais tu vois pas l'idée de... Depuis le début, tu m'aides pas. Cette fois-ci, je ne vais pas pouvoir t'aider, désolé. Et malheureusement, pendant ce temps-là, l'anesthésiste s'est échappé. J'essaie de... On n'a pas vu par où il est parti. Non, malheureusement, non. Moi, je rentre dans la pièce où il était, la espèce de station de contrôle. Eh ben, vous voyez les caméras des différentes pièces. Mmh. Et heureusement, vous avez sauvé le reste des otages. Sinon, il allait les tuer juste quand vous rentriez dans la pièce. Et, okay. Et là-dessus, ben, vous avez accompli un sauvetage sans trop de casse. Juste de la nourriture pour le prêtre. Moi, au final, par rapport à mon objectif, on a réussi, hein. On a sauvé les gens. Oui. Oui, 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 clairement. Et ben voilà. Et ben voilà, bon, ça va. C'était... ils ont tous peur de moi, mais ça va. Ils sont tous terrifiés, mais ça va. Alors, vous récupérez vos affaires dans la salle de contrôle, évidemment. Hein. Et c'est là que Aaron, en fouillant dans sa poche, se rend compte que Cromwell a tenté de l'appeler à plusieurs reprises, genre 50 appels en absence. Ok. Ok. Le forceur. Bah, je rappelle Cromwell. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Ça faisait un moment qu'on n'avait plus de nouvelles. On est censé faire des recherches ensemble, non? Bah, on est tombé nez à nez avec l'anesthésiste. Et ça va? Il vient de filer entre les doigts. Ah! C'est pas grave. Mais on a pu sauver 3 personnes ici. Ah, ça c'est déjà bien. C'est parfait. Bon, préparez-vous, s'il est en ville, on le recroisera bientôt. Et voilà les amis, c'est terminé. Avant que ce soit fini, oui, j'appelle quand même une ambulance et la police pour les survivants. On va pas les oublier, quand même. On avait dit qu'on ne les oublierait pas. Non, non, voilà. Toi tu avais dit que tu les oublierais pas, moi j'ai Si, toi tu l'as dit, mais tu le pensais pas.